Docteur, c'est qu'en fait, moi j'ai un problème. Il y a une fille, elle veut tout le temps que je vienne chez elle, et elle utilise des, vous savez, Des stratagèmes peut-être? ouais, voilà. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça doit être ça, ouais. Et donc, moi j'en ai marre et je me fais avoir à chaque fois. Donc, est-ce que vous avez des idées pour que ça s'arrête là, parce que. Pff. Bah faudrait déjà arrêter de penser avec ta bite. Ah, ben c'est avec le cerveau qu'on pense, non? Laisse tomber. Bon, en tout cas, elle propose tout le temps de la viande, mais en fait, on n'en a jamais, hein. Et bah, j'y vais parce que j'aime bien la viande et que j'ai de l'espoir. À chaque fois, je me dis peut-être que cette fois, elle ment pas, mais en fait, si. Mais on peut pas dire que c'est de la cruauté, ça, de la torture ou quelque chose comme ça. Est-ce que je peux pas prévenir la police? Je te rappelle que t'es recherché par la police justement. Oh bah c'est vrai ça, oh fais chier. Je mène vraiment une vie de voyou. Hein. Et t'as essayé de danser le cha-cha-cha avec elle? Danser le quoi? En gros, le petit bâton dans le petit trou, quoi. En gros, je dois ramener un petit bâton chez elle et lui faire danser le cha-cha-cha. Je comprends pas ce que ça veut dire. Bon, je vais te prescrire des sites spécialisés. Et ensuite, tu devras faire ce qu'il y a dans ces sites avec elle, d'accord? Ben normalement, c'est pas des médicaments qu'on prescrit. Ouais, mais là, le problème, il est trop grave. Aucun médicament peut régler ce problème. Il n'y a que l'éducation, malheureusement. Et après, elle va vouloir me faire autant de viande que je veux? Bien sûr. Ah, chouette alors. Ouais, ça fera 50 euros. Eh, bon, je suis un voyou, hein. Ah, je vais pas vous payer. Vous allez faire quoi? Bah déjà, je vais aller cracher dans ta viande, tes assiettes, tout. Et après, je te découpe la nuque. Et je ramène ton corps à la marine. Comme ça, je remporte ta prime. Ça rime. J'ai entendu dire que tu n'étais pas abonné à cette chaîne. Fais gaffe à toi, mon petit. Tu vas aller dormir avec les poissons. Et c'est encore pire si tu partages pas cette vidéo. Tu vas devenir le meilleur ami de Boruto si tu continues à déconner comme ça. Arrête de déconner!